Ça nous a permis, en tant qu'enseignants, de fédérer nos élèves autour d'un projet novateur. Donc, ils ont pu manipuler des cartes, coder différemment que ce qu'ils ont l'habitude de faire en classe. Nous, ce qu'on a fait, c'est un système qui s'accroche en dessous d'un pont et qui serait capable de détecter les crues pour avertir la population des villes aux alentours. Notre projet, c'est une prothèse de main. Grâce à ce projet, on a pu savoir à quel point la technologie et les sciences d'aujourd'hui pouvaient aider les personnes en situation de handicap. Donc ça a complètement changé notre regard sur le handicap. Et voilà. Bah, on avait un peu codé aussi en techno, mais on n'avait pas codé quelque chose d'aussi, d'aussi important en fait, d'aussi énorme. Imagine être un robot, donc quelque chose qui est fait par l'homme, c'est une machine qui peut se mouvoir ou... Alors qui a réussi à modifier les variables min et max et à le relancer? Il y a le cerveau fermé, donc en permanence, il va venir.